Ok, petite variante pour couper, pour tailler un bout de bois. Petite variante de la technique qu'on met où on place le genou. On place sur un bout de bois, on tient bien, on incline le couteau, on vient, on ramène. Hop. Ça permet d'avoir beaucoup plus de force, de pas se faire mal au genou. Et voilà, j'ai ma pointe. Quand on a un bon couteau, ça marche tout seul. Donc au final, on a deux piquets avec des encoches. On a un Y dans ce sens-là avec une pointe. On a deux Y comme ceci avec des pointes. Un bâton avec une pointe et la construction que je vous ai montré tout à l'heure. Liste non exhaustive. Donc là maintenant, je propose qu'on le construise. Allez, c'est parti. On commence par prendre les deux Y avec les pointes. Et on va les enfoncer les uns contre les uns. Les uns à côté des autres, quoi, en fait. On enfonce cela. Fente vers nous. Donc à l'opposé de l'arc. Ok, donc là mon piège il est armé. Donc ici,
Rien n'est fixé entre ces deux bâtons. C'est le fait de tirer sur cette corde-là, hop, qui est reliée au chemin là-bas, hop, qui va lâcher ce bâton, donc qui va tirer ce bâton et libérer la corde. Comme ceci. Donc on le réenclenche. Hop. On tire dessus. Clac, clac. Pour l'instant, on peut faire comme ça. Ensuite, on met ça ici. On met le bâton dans le bon sens, ce serait mieux. Clac. Hop. Comme ceci. C'est à vous après de gérer la détente. Hein. Clac. Donc là, le bâton, enfin, le piège, pardon, il est armé. Il n'y a plus qu'à mettre la flèche en place. Donc faire super attention. Vraiment, faites vraiment attention à vous. Voilà. Donc, le piège est en place. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à surtout venir voir ma page Facebook où je mets pas mal de choses intéressantes, je pense. Je vois un petit rappel, si vous voulez, si vous êtes intéressé par un stage de survie, de bushcraft, de vie dans la nature ou autre, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour la Bretagne avec la Skoll Lorne et pour la région Grand Est avec France Tactical Gear. N'hésitez pas à me contacter. Voilà les Wilders, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous faites ce piège, faites vraiment attention à vous, d'accord? Le but c'est pas de se blesser, c'est vraiment de prendre du bon temps en forêt et d'apprendre des choses. Au fait les Wilders, on n'oublie pas de tout démonter, de ne rien laisser en place. Voilà, ça évitera qu'un animal, sans faire exprès, se prenne ce piège. Merci à vous.